Next up, Asti qui est revenu souvent ce nom-là. Cat Norm. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est mon ex. Je la demande ça en date. Ouais. I love you! Hey, what's up Gucci Gang? Fait que demain, c'est finalement la première drop de Petit Roi. Est-ce qu'on est content? C'est à 6h30, c'est exclusif, quantité limitée. Il y a les tucs, les hoodies, les t-shirts, c'est la seule chance de vous les cop. En ce moment, sur Instagram, il y a deux giveaways. 500$ cash sur Petit Roi, plus 3 kits complets sur GNT Productions en Instagram. Hey, bonne vidéo, on se voit demain à 6h30, ça va servir. Ok, on est back. J'ai déjà fait trop de vidéos que je DMais des Instababes. Mais là, c'est vos Instababes préférés, mes grands Chris de chum. Fait que là, j'ai fait une story pour vous demander c'était qui vos influenceurs slash Instababes préférés. Entre parenthèses, chaude. Ben, je peux être pas dans les DM si t'es pas chaude. Tu me prends pour qui, hein? Fait que là, c'est important de savoir, moi dans la vie, je suis pas un gars qui texte en premier. J'aime pas ça chasser, esti. Je suis comme une fille, j'aime mieux me faire chasser que chasser. Es-tu en train de me dire qu'on va à la chasse, my brother? Dans le fond, là, c'est que j'ai un manque d'affection féminine. C'est ça qui se passe, ok? La chasse est pas forte dans la scène, ok? Il est pas lui-même. First, il mange pas de Snickers. Puis il a pas d'affection, fait que. C'est pas de l'affection, c'est de l'attention. Oh, de l'attention. J'ai besoin de savoir que je suis drôle. Mais pas par des bacs comme vous, esti. Non, mais à la maison, comment vous trouvez ces beaux petits pétalons du CHSLD? On dirait qu'il est infirmière, ça, je dis, j'ai besoin qu'une fille qui me dise son beau tes pantalons, puis après ça, elle me dit t'es drôle, t'es bon, t'es beau. Ok, les noms. Mais là, t'as un peu vivre, là, tu veux, si tu DM des filles, tu vas aller à la chasse, mais c'est quoi ta stratégie d'attaque? Je sais pas, c'est pour ça que j'avais besoin de l'expert avec les femmes, Drip Papa. Hey, I'm Frankie and I know it! Tu vas-tu pour la quantité ou pour la qualité? Dans le temps, j'étais peut-être plus quantité. Plus tu vieillis, plus tu prends de la maturité, c'est la qualité all the way. J'ai le goût d'être en amour, moi. J'ai pas le goût de... C'est quoi la face à Brent? Les phrases de politiciens, là. Ok, donc Félix Bourque nous a dit Noémie Petit. Je savais pas c'était qui, je l'ai découvert cette semaine. Noémie Petit, fun fact. Dans le temps, j'avais fait une vidéo que j'ai aimé des célébrités, puis... J'ai texté, t'es comme ma petite orteille, je t'éclaterais dans chaque coin de mur, de quoi de même là. En tout cas, c'était bien drôle là. Elle m'a bloqué. Mais là, Émigeable pis moi, on s'entend bien pis j'ai demandé, tu peux-tu demander à Noémie de me débloquer? Fait que là, je peux la texter. Okay. Fait que les deux fois tu vas la texter. Oh yeah. Big, les deux fois tu vas la texter, c'est pour dire de la sauce. Oh, dis la même affaire. Copier-coller. Oui, yeah. Oui. C'était tellement un manque de respect. Ok, mais on va y aller, mais 2022, j'espère. Salut, t'es comme ma petite orteille, je ferai attention à toi à chaque coin de mur, promis. Excellent. Alors, joyeux, c'est mon trip. Ça va être semaine, on passe à la prochaine. Tu pourrais dire à la place, ouais, pourrais-tu donner mon petit nounours dans mon lit, genre, pour un affaire de moi, un affaire de ouais. Genre. Ça a-tu marché? Ça a pas été aussi de la même, genre. Jade Lavoie. J'ai screenshot ça, mais j'ai aucune calice de CG. Ok, elle a 567 000. Ouais, je check ça, pis c'est vraiment dans le genre de. C'est direct dans le range de filles que je me pogne. Ils sont identiques. C'est direct, hein? C'est ce genre de filles que je me ramène le soir, ça. On va essayer 567 000. Ça m'a déjà dit. Ok, Miss la voix. Chaude. Moi. Collab sous. Daphné Picard, Alexandre Pelletier. Je la demande ça en date. Ouais. Ça te tente-tu d'être ma late Valentine? Mais tu sais, ta late Valentine. Salut, Alexandre. Date. Ça fait longtemps. Long time, nous aussi. Je veux quand même qu'elle pense que c'est peut-être vrai, tu comprends? Non, elle me connaît assez que c'est pas vrai. J'ai pas eu les couilles de te le demander. Attends, mais trop petit point, veux-tu être ma late Valentine? C'est good, ça? Okay. Ben, ouais, ça ou. Oh, c'est envoyé. Oh, Alexandre a répondu. Commence par écrire mon nom comme du monde.
Oh, il y a un M, pas deux. Le deuxième M, c'est parce que je n'ennuie de toi. Hein? Ça va être ça ma réponse. Je sais pas comment texter aux filles, puis je vais le montrer dans la vidéo, c'est vrai. Tabarnak! Je suis le pire texteur! Ben là, tu me confirmes là, là. Next up, Lucie Réon, my brothers. Ouh! Ouh. Ah, tu sais pas quoi y écrire? Non, c'est ça. Ah, ben c'est vie. Maman, ça allait, j'allais faire un petit tour, toi, là. Man, TV, trop vite, les gars. Écris-y direct, viens prendre sa place. Ok, là. Bon, faut que je trouve de quoi lui dire. Hein, qu'est-ce que je pourrais dire, Frank? J'aime tes vibes. J'ai le prochain, tu fais une bio. Genre, salut, je m'appelle Jérémy. J'ai 22 ans. J'ai beaucoup d'ambition. Je m'en vais pisser, je reviens. Ce qui est écrit, c'est j'aime ton vibe, mon brother. J'ai envoyé ta merde. Donne trop fort, TV, prends donc sa place. Big, non, on vit ça, big. Je suis complètement chier. Alexandre a dit, je veux que tu me fasses une déclaration d'amour en chanson. Oh, live. Alexandre. Depuis que t'étais ma photographe. Ton long cou de girafe. Hey man, c'est pas ça, t'as pas non, pas bad là. À part un long coup de gilet. Quand je vais sur ton IG, ton style m'étourdit. Je te ferai des sushis, ma petite baby. I love you. I hope you love me too. Bon, c'est assez. Oh, wow. Ok, Alicia Muffet is next up. Elle se tient avec Fred Daudet ce temps-ci. Je l'ai croisé une fois au Portofino. Il y a environ 3 têtes de plus que moi. Et je regardais de même, j'étais là. Une petite pièce d'or, il est beau en plus. Hein. Mais t'as plus de tatou. Ouais, c'est ça. Fait que t'es good. Plus gros bat. Qu'est-ce que t'as à rire, toi, hein? Hey! Salut, je m'appelle Jérémy Noir. C'est tellement laid. Je m'appelle Jérémy. Et je me présente. Car je crois qu'on a beaucoup de points en commun. Je suis un cloud chaser. Je pourrais dire, par exemple, ma musique préférée est Copilote de Fouki. J'adore la musique de Fouki, sauf Ciel. Je suis gentil. Je suis très gentil. Ça, tu pourrais dire, mon joueur d'hockey préféré est Christopher Latenant. Je trippe sur Vincent Lecavalier. Je trippe sur Vincent Lecavalier. On pourrait aller faire une petite game de mini-pot 1C4. Ok, c'est envoyé. Next up! Asti qui est revenu souvent ce nom-là. Cat Norm. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est mon ex. On est encore en bon terme pour ceux qui se demandent. Mais c'est quand même mon ex, je sais pas pourquoi il texte de la merde là. Yo, veux-tu bagner? Je m'ennuie. Oh shit! On a Marilou Bélanger, Marilou Daudet. Marilou! Alors, répondu à la première, celui que je l'ai tagué, c'était comme au Mexique, j'arrêtais de dire Marilou, Marilou. Marilou. Marilou Daudet. Puis elle a répondu ha 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 avec un cœur. Puis là, au même moment, elle a décidé de laisser Robin. Fait que moi, j'ai fait un gros TikTok, ma déclaration d'amour. Puis depuis ce temps-là, Marilou ne m'a toujours pas répondu. J'ai besoin d'attention. T'as même pas besoin de me donner de l'affection. T'as juste besoin de me répondre. C'est de l'attention que je veux. Je fais pas des vidéos YouTube pour rien. Salut, sache que malgré tes non-réponses, mon amour pour toi est toujours aussi fort. Notre amour sera éternel. Malgré tes non-réponses, tu es toujours la flamme
qui attise mon cœur. Je vais envoyer un message vocal. Oh. Yo Marilou, ça fait longtemps que je pense à t'envoyer ce message-là, j'hésite, mais je suis 100% sincère. Depuis tes non-réponses, je veux quand même que tu saches que t'es la flamme qui attise mon cœur. Notre amour sera toujours éternel. En tout cas, du moins, mon amour pour toi sera éternel. Puis je vais toujours être là. Tu sais où c'est que j'habite, t'es déjà venu une couple de soirées. T'as juste à gagner la porte, brother. Oh! Yes, sir! Non, là. Tabarnak, c'est pas moi que je t'ai appris, big. Ouais. Tu te l'échanges de chasse qu'on a un chat ensemble. Ah non, moi je suis off, là. Parce que lui, il entend mes crises de manque d'attention. Je les entends, non, je les gère. Ok, next up, on a Emijade, migrant crise de chum. Emijade Greaves, la seule et unique. Salut, je t'aime bien, mais penses-tu que je pourrais faire un câlin avec ton petit chien? Il est tellement cute. Bon ben, je pense à faire le tour chez Curry Barrett de texter des filles. J'ai probablement texté plus de filles dans la dernière demi-heure que dans la dernière année. Ouais, dans toute ma vie. Mais... Let's fucking go, on se repunk demain dans 24 heures environ pour voir qui a répondu pis qui a pas répondu. Je croise les doigts qu'il y en a au moins deux. Hey, ou sinon, s'il y a personne qui te répond, c'est comme recevoir une bonne tosse d'eau frette dans la face, hein? Ben, au moins, je me sens vivant, pas comme les soirs que je me sens plus triste. Ouais, 72 heures plus tard. C'est que ça me fait chier. 72 heures plus tard. Pas de réponse. Même pas mon ex, tabarnak. Fait que on est tombé. Pourquoi ça fait 72 heures à la place de 24 heures? Parce qu'on est tombé sur la brosse. Fait que je noue ma peine. Puis on voulait donner un peu plus de chance pour que les filles répondent. Tu sais, des fois, ils sont occupés, eux autres, puis ils checkent pas le DM. Mais là, après 48 heures, on s'est dit, hey, t'as un autre petit 24 heures, mon Dieu, hein, on sait jamais, tu sais. Passer le jour d'après, ah, pas plus. Je suis juste triste, man. J'ai le goût d'aller broyer. Ben, vas-y. Calice, pourquoi je pogne plus, man? Je comprends pas. Avant, j'en avais tout le temps 2-3 dans le back pocket. En plus, j'ai tout pour pogner avec les filles, man. De un, je suis fucking beau. En plus, je cuisine tellement mieux que Chef Frank. De quatre, la propreté puis le ménage, ça me tient tellement à cœur. Je fais même la litière des chats. Puis la deuxième tabarnak, je l'ai achetée uniquement pour pogner avec les filles. Fait que c'est quoi qu'ils veulent de plus, man? C'est-tu parce que les gens m'aiment plus? Est-ce que c'est parce que je suis rendu un loser? Non, aucune chance. J'suis un petit roi. Ah! Cardinal vient de me texter? Non merci, depuis que j'ai un dildo, j'ai enfin réalisé c'était quoi ressentir quelque chose.